Ça vous plaît, ça? Et à eux, à chacun de ceux qui passent une partie de leur journée, de leur vie, à attendre que le type de devant avance. Et quand ils ont fini d'attendre, ben ils se retrouvent là-dedans. Alors j'ai posé la question et on m'a répondu, c'est la vie. Mais j'ai creusé un peu et on m'a parlé de progrès, d'évolution. Et on m'a montré des choses étonnantes. J'ai pas pu vous les amener, on ira les voir ensemble. Il y a juste cet enfant qui joue là. Sachez simplement qu'il serait mort s'il était né 100 ans plus tôt. C'est la recherche médicale qui l'a sauvé. Alors vous voyez, il y a ça et lui. Et vous savez pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que s'il n'y avait pas eux, il n'y aurait pas lui. Tout le monde fait partie d'une formidable machine qui ne tourne pas toujours très rond, mais dont aucun élément ne peut se sentir exclu. Eux, nous, lui, sommes les acteurs, en même temps que les auteurs de cette immense tragédie, ou comédie, ça dépend des jours. Et tout ce mécanisme complexe qui fonctionne s'appelle l'économie. Oh, rassurez-vous, je ne suis pas là pour faire de vous des spécialistes, j'en serais d'ailleurs incapable. Non, je vous propose simplement de passer ensemble en revue les différentes bases de notre économie pour vous donner les moyens de savoir où vous vous situez dans notre société et quelles sont les chances qu'elle peut vous donner. Parmi toutes ces femmes et tous ces hommes, combien connaissent le fonctionnement de leur voiture? 1 sur 100? 1 sur 1000? Ça ne les empêche pas pourtant de l'utiliser. Pour ça, il suffit de connaître le mode d'emploi et le code de la route. Et ça leur suffit pour se déplacer dans l'immensité et la complexité du réseau français et mondial. Alors, installez-vous devant votre écran, qui sera un simulateur de conduite. Et partons à la découverte d'un univers que je vous promets étonnant. À tout à l'heure. En 1960, les exportations représentaient 9% du produit mondial. En 1980, c'est 20% du produit mondial qui est échangé. Autrement dit, le commerce avec son ou ses voisins a plus que doublé en 20 ans. En 1973, dans les pays de l'OCDE, il y avait un chômeur sur 31 actifs. En 83, un chômeur sur 10 actifs. Pour acheter une 404, il fallait 2540 heures de travail en 1960. Actuellement, il en faudrait 1365. En 1970, il y avait 2,5 milliards de pièces. En 1983, 4 fois plus. En France, il y a un médecin pour 600 habitants. Au Maroc, un médecin pour 10 000 habitants. En 1964, un habitant d'un pays producteur de café devait en fournir 7 kilos pour se payer une montre produite en Suisse. 10 ans après, il doit en fournir le double pour obtenir la même montre. Cette montre demandait 3 heures de travail en Europe et les 14 kilos de café, 7 heures de travail. 3 heures d'un travailleur d'un pays industrialisé s'échange donc contre 7 heures d'un travailleur d'un pays en voie de développement. Ces images et ces chiffres nous montrent quoi ?
Tout d'abord, que nous sommes envahis de termes économiques, que cette notion fait vraiment partie de notre paysage quotidien. Et puis nous venons de voir que, quel que soit l'aspect que l'on observe, des constantes reviennent. Nécessité d'évoluer. Risque de déséquilibre. Mais n'en disons pas plus pour l'instant. Reprenons les choses par le début. Et tout d'abord, le contenu du programme. Il existe des êtres humains que l'on étudie et regroupe sous le terme de population. Ce sera notre première partie. Nous verrons l'importance du nombre des êtres humains dans un pays par rapport à l'ensemble de la population mondiale, les différents critères d'analyse, âge, sexe, etc. Ce qu'est une pyramide des âges, ses distorsions dans le passé et l'avenir. Cette population a des besoins liés aux nécessités de la vie. Ces besoins évoluent avec le niveau de développement du pays. Et l'économie répond à ces besoins à travers différentes structures de fonctionnement. Une grande partie des besoins de la population sont satisfaits par les produits offerts par les entreprises. Ce sera le thème de notre second module. Les ménages consomment, c'est la demande. Mais cette consommation prend différentes formes selon la composition des ménages, leurs revenus, etc. Et elle évolue dans le temps. Pour répondre à cette demande, les entreprises produisent, c'est l'offre. Nous suivrons l'histoire d'une entreprise, sa création, origine des fonds, leur utilisation, son fonctionnement sur la première année. Et enfin, l'analyse de ses résultats, bénéfices, pertes, autofinancement. Puis nous verrons les besoins qui sont pris en charge par l'État, qu'on appelle aussi administration. Ce sera notre troisième partie. Les administrations, nous ne les connaissons pas toutes. Nous verrons leur rôle et leurs limites. Puis nous verrons que l'État est obligé, pour répondre à certains besoins, de collecter des ressources. Nous parlerons alors de l'imposition directe, de la TVA, etc. Mais cela ne suffit encore pas pour couvrir tous les besoins de la population, et notamment les risques. Il faut une assurance nationale qui, par le biais d'une mutualisation, puisse couvrir ce risque. Ce sera l'objet de notre quatrième module. Nous détaillerons alors les différents risques dont on peut se prémunir, ainsi que leur importance et leur évolution dans le temps. Puis nous verrons quels sont les moyens mis en œuvre pour collecter ces ressources. Nous parlerons de cotisations sociales et vous verrez comment elles sont supportées par un salarié et son entreprise. Et nous terminerons ce programme par un bouquet final qui mettra en scène les différents flux de la vie économique. Nous verrons tout d'abord comment s'agencent et s'organisent les différents courants de notre vie économique. Puis nous visualiserons les conséquences d'un mauvais fonctionnement ou d'une panne d'un des éléments de cette structure. Si vous trouvez ce programme ambitieux, vous avez raison. Mais vous verrez que l'équipe qui y travaille depuis plus de 2 ans s'est donné les moyens de le réaliser. Au centre de ces recherches, un seul sujet, vous. Notre propos est de mettre à la portée de tous des notions complexes d'économie et de faire de vous non plus des figurants, mais des partenaires de cette vie économique.